Ne fais pas ça, Georges. Désolé, Ivan, mais moi je quitte l'église. J'arrête avec le christianisme. Il y a trop d'hypocrisie. Personne n'est vrai. Chacun ne cherche que son propre intérêt. Et il parle d'unité, corps du Christ, mon œil, oui. Mais pourquoi dis-tu ça? Parce qu'en fait, cette terre est pleine de blé et puis d'ivraie. La maçon nous dira. Il confessait, mais tous n'étaient pas vrais. Mais les vrais sont bien tous là. L'église est divisée à cause de l'argent, de la prospérité. L'évangile atteigné par ces hommes charnels, prêchant aux hommes charnels, non. Conflit et division, hypocrisie, à qui me confier? Ils sont tous faux, ce qu'il me faut, c'est rester seul. C'est pas vrai, écoute. Le corps du Christ est un et les chrétiens sont saints. Les vrais ne sont pas loin, regardez bien. Il veut faire croire que Christ a échoué. Son église divisée, il veut déranger. Hey. Le corps du Christ est un et les chrétiens sont saints. Les vrais sont dans le coin, regardez bien. Les hommes du diable veulent nous embrouiller. Les vrais chrétiens seront bientôt révélés. Autour de toi, ils disent connaître Christ, mais ils vivent comme le monde. Dans l'église, ils disent servir Christ, mais se servent des hommes, non. Ça ne vaut pas la peine de continuer de chercher le Seigneur, personne ne le fait. Et être seul, c'est bien trop difficile. L'église, corps du Christ, ce n'est qu'un mythe. Conflit et division, hypocrisie, à qui me confier? Ils sont tous faux, ce qu'il me faut, c'est rester seul. Ne dis pas ça. Si conflit et division, hypocrisie, à qui me confier? Ils sont tous faux, ce qu'il me faut, c'est rester seul. C'est pas vrai, écoute. Le corps du Christ est un et les chrétiens sont saints. Les vrais ne sont pas loin, regarde bien. Ils veulent faire croire que Christ a échoué. Son église divisée, ils veulent déranger. Et le corps du Christ est un et les chrétiens sont saints. Les vrais sont dans le coin, regarde bien. Les hommes du diable veulent nous embrouiller. Les vrais chrétiens seront bientôt révélés. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Regarde, par exemple, dans Romains 8, verset 19, il est dit « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Donc, il viendra un temps à la fin où les vrais chrétiens seront révélés et manifestés pour tout le monde, pour toute la création. Mais sache dès à présent que les vrais sont déjà là. Mais pourquoi il y a autant de divisions dans l'Église? Regarde, le vrai corps du Christ est peut-être dispersé, mais pas divisé. C'est souvent entre les vrais et les faux qu'il y a la division. Mais lorsque deux vrais se rencontrent, il y a unité. Toi, sois vrai. Ne regarde pas les vrais, les faux chrétiens. Aime ton prochain. Va vers ton prochain. Et là, tu trouveras un frère ou tu en feras un en le convertissant.